Salut les Padawan. Aujourd'hui, nous allons faire un tour en France avec des Français et des liquides au look très ricain. Avec mon ami Yoda, je vous présente ça de suite. Bim. Cloud Rider is born. Donc, on est chez Belarome. Belarome. Une entreprise qui fait des liquides donc en France, qui sont français depuis 2014. Donc Belarome vous propose des monoarômes, on va pas en parler aujourd'hui, et deux gammes, des road trip qui sont une gamme. Là j'en ai trois, je verrai lesquels je vous présenterai. Vous voyez, sur des bouteilles Shubi comme ça. J'ai le Rose Garden, le Cupcake Flower et celui-là, le Morning Time. Voilà, donc ça fait partie de la gamme Road Trip. Et une gamme qui, moi personnellement, mais ça c'est une question juste de goût, me branche beaucoup plus, c'est la gamme Cloud Rider. Alors, la gamme Cloud Rider, donc ce que vous voyez ici. Déjà le design des bouteilles super joli, je trouve un concept plutôt sympa. Voilà, avec une couleur noire, un graphisme qui évoque le monde des bikers et des noms qui restent dans ce style-là. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre hop, la pub. Je vais la mettre en grand et on va aller faire un tour. Tac, tac, tac. Je vais mettre écran. Bim. Et voilà. Donc, vous pouvez suivre avec la souris. Donc, Cloud Rider is born. Donc, ce qui est pas mal, ils ont fait un petit concept. C'est une petite histoire autour de cette gamme de liquide gourmand. Donc c'est l'histoire de deux franchises qui partent en voyage à Los Angeles, location de bécane et direction Long Beach, Santa Monica, Silver Lake, Eagle Rock, Hermosa Beach et le fameux Venice Beach. À leur retour, ils décident de concocter quatre recettes qui évoquent ce périple délirant. Donc les quatre recettes, c'est Old Racer, School Rider, School Biker, je crois, School Biker, Sexy Rider et Crazy Chopper, celui-là. Donc, bim, hop, on va revenir sur ma ganache. Donc, ce que je vais faire, moi pour l'instant, j'en ai 3 des 4 et l'autre est en route, donc il va arriver très bientôt. Là, j'ai ces 3-là. Ce que je vais faire, je vais vous présenter cette gamme donc de 4 gourmands en deux revues. Donc sur la première revue, je vais vous présenter le Sexy Rider. Voilà, Cloud Rider. Donc une petite pin-up sur une belle Harley. Non, ça veut pas. Voilà, Made in France. Donc comme vous pouvez voir, on est sur du 20-80 sur toute la gamme. Donc là, on s'adresse pas spécialement à des primos, hein, on est sur des liquides, comme je vous disais, gourmands. Ce sont plutôt des recettes un peu complexes. En général, voilà. Vous savez que les primos, en général, ont tendance à chercher des goûts tabac simples et tout. Donc ça, vous pourrez les trouver chez Belarome aussi, mais dans les monoarômes. Donc ici, on s'adresse plutôt à des vapoteurs confirmés, donc en 20-80, donc gros taux de VG, évitez les ataux très serrés, tout ça. Si vous vapez sur dripper ou avec des arrivées de jus plutôt conséquentes, aucun souci. Voilà. On est sur des fioles Shubi de une contenance de 60 ml remplie à 50 ml sans nicotine, donc. TPD oblige. Et donc après, vous avez un espace de 10 ml pour ajouter un booster qui vous fait du 3 mg si vous rajoutez un booster en 20 mg. Sexy Rider et Old
Et l'autre, Paul de Rasseur. Hop, on va se faire aussi aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, je ferai le School Rider. Non, c'est, je m'en mêle, décidément. Le School Biker. Et le Crazy Chopper la prochaine fois, donc. Et donc voilà, là, on va se faire le deuxième, c'est le Old Racer. Voilà. Toujours en 2080, ce sont les 400 en 2080, avec le même principe, 50 ml sans nicotine, dans une fiole de 60 ml. Donc c'est une très jolie fiole, hein. Tout est aux normes, évidemment, hein. Bouchon de sécurité, les descriptions, il n'y a aucun souci. Voilà, les dates. Donc c'est fabriqué en France par les laboratoires. Alors, c'est Syphilica, je crois. Et c'est à Cambrai. Donc il y a même le numéro de téléphone. Donc ça vient du Schnorr. Voilà, alors pour ceci, j'ai préparé donc un dripper de chez notre ami Sébastien Laverne, donc Wheel and Time, c'est le dripper Saturn. Par contre, j'ai mis un seul coil, donc voilà, un montage, hop, décidément, la mise au point, c'est pas ça, donc voilà, un montage en monocoil Fuse Clapton, 3 âmes en SS316 26 gauge, claptonné avec du NI80, Twisted Messies en 40 gauge. Voilà. Donc, résistance neuve, coton neuf. On va se monter ça sur. Voilà, on va se monter ça sur la petite box Aegis de Geek Vape. Et donc, on va se tester plutôt le hold de rasseur dessus. Donc, j'ai un peu la crève. Hein. C'est des liquides que j'ai eu le temps un petit peu de goûter. Là, je suis un peu malade. Donc j'ai pas un ressenti, j'ai pas un bon ressenti des arômes. Donc je voulais décrire au mieux, savoir que là je me suis mis un peu de menthe pour essayer de retrouver un peu les saveurs, mais c'est pas ça. On va vaper un petit peu quand même avant de tester. Voilà. Alors ça, c'est un petit truc, hein, pour ceux qui connaissent pas. Quand vous avez tendance à faire une aguesie, je crois qu'on appelle ça. On a une perte des saveurs. À force de vaper, voilà, j'ai vapé pas mal de jus différents et en plus j'ai la crève. Donc voilà, quand vous avez une petite perte des saveurs comme ça, la menthe glaciale en général, bizarrement, contrairement à ce qu'on peut croire, vu que c'est quelque chose de fort, ben, ça vous remet un petit peu les papilles à zéro. Et en général, ça vous aide à ressentir après les arômes plus subtilement, mieux quoi. Donc là, on est à une résistance de 0,29 ohms. Hop, on remue bien. Donc j'ai mis un booster, hein, évidemment. Donc je suis en 3 mg. Hop, on va s'arroser ça. Tac, 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 tac. On va réduire un petit peu la pub. Bim. Voilà. Tac. Et le temps que ça s'imbibe correctement, hop, je vais vous lire un petit peu la description des saveurs. Présente donc dans ce Old Racer, donc l'Old Racer, c'est un tabac gold,
pris un tabac gold, hein, c'est un tabac blond. Cappuccino, caramel beurre salé. Voilà. Tac. Alors, on y va. J'ai mis juste à 35 watts, voilà. Le temps que ça prenne, que je prenne bien. Alors, direct, on a ce ressenti de café. Alors, un cappuccino, hein, donc c'est un café, mais qui est un petit peu adouci par du lait, on va dire, hein, au niveau arôme. Et on ressent un tabac qui vient porter une partie un peu plus de corps, quoi. Donc on sent ce tabac, mais qui est pas voilà, c'est pas un tabac avec des notes gourmandes, c'est plutôt clairement un gourmand avec des notes de tabac. Il faut pas s'attendre à un gros goût de tabac avec juste comme beaucoup de tabac comme ça existe. Non, là c'est plutôt le goût de café, le goût de caramel beurre salé, ce petit goût gourmand que j'aime bien dans cette gamme en général, et le goût de tabac qui vient porter une espèce de corps de construction, comment dire, de fondation, en fait, au reste des arômes. Alors, on va pouvoir. Je pense que là, le coton commence à être bien imprégné. Hop. On va pouvoir monter un petit peu les watts pour ressentir un peu mieux. Mais je vous mens pas, j'ai une sale crève. Donc voilà, je me fie aussi un petit peu à mes souvenirs de ce que j'ai ressenti quand je l'ai goûté. Je commençais à être malade, mais j'étais moins malade. Parce que là, les goûts sont un peu. Donc évidemment, on est sur du 20-80, hein, grosse production de vapeur, hein, je suis en monocoil, à 45 watts seulement. Hein. 45 watts, 0,27 monocoil. Donc voilà, bah, je vous ai tout dit. Hein. On a dit un bon petit goût de café un petit peu adouci par des notes de lait, avec un tabac blond qui vient porter une structure, on va dire, à l'ensemble, et une petite note de caramel beurre salé, et super sympa, franchement j'aime beaucoup. Au niveau du graphisme, comme je disais, super beau. Alors vous allez me dire, on va pas la bouteille. Mais je trouve que c'est quand même important, et voilà, comme tout, le packaging, ça fait partie du truc. Et voilà. Cette gamme, je trouve super jolie. Et en plus, c'est bon, et en plus, c'est français. Donc, voilà. Donc, voilà, celui-là, premier effet, je mettrai une bonne note. Je trouve super sympa. Ça peut être un all day sans problème. Pas du tout lassant, pas du tout écœurant. Voilà. On va venir se goûter. On va venir se goûter ce petit Sexy Rider. Donc je vous le remontre. Hop, mise au point. Voilà. Donc, une petite pin-up. Une belle moto. Pareil, on mélange. Toujours pareil, hein, il y a du booster dedans, on est en 3 mg. On va se tester ça sur un petit Adali. J'ai mis une résistance Predator Vape dessus, mais je ne me rappelle plus laquelle c'était. Hop,
de se faire, voilà. Donc Adali, un monocoil. C'est une espèce de six chaînes. Je crois que c'est ça d'ailleurs, hein, c'est une six chaînes. Voilà, donc résistance neuve, coton neuf, pareil. La définition, alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais d'abord imbiber le coton. Et comme ça, pendant que je vous lis la définition, ça va finir de bien s'imbiber à l'intérieur de la résistance. Donc je suis à 0,32 ohms. Donc à la base il est monté en BF la Dali, mais là comme j'avais pas une petite bouteille remplie de ce liquide, donc je le mets sur la guisse et je m'en sers en dripper normal. Donc Sexy Rider, on a de la vanille blanche, crème de lait, biscuit, beurre. Et on va se goûter ça. Il y en a dans l'Uberflow, j'en ai mis clairement trop. On va descendre à 40 watts. Là, je me bois du liquide brûlant, pas terrible. Alors, malgré que ce soit un Dali, donc avec un tirage assez serré, hein, ceux qui ne connaissent pas, ouais, la taille des Airflow. Petit, hein, c'est un dripper clairement orienté saveur. On a voilà, toujours en 20-80, une grosse production de vapeur quand même, même à 40 watts. Donc on sent, alors toujours les goûts sont subtils. On sent la vanille. Il n'y a aucun goût vraiment qui vient dominer, qui vient écraser les autres. Donc ça, c'est, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un liquide, c'est une marque de liquide bien construit, hein. À part quand on veut faire vraiment une recette où on va dire que c'est un tabac, on veut qu'il y ait le goût dominant de tabac avec des petites notes, d'accord. Mais là, quand c'est des recettes où on veut que les arômes s'équilibrent, c'est bien qu'aucun vienne écraser les autres, hein. Donc là, on sent les petites pointes de vanille. La crème de lait, ça vient apporter un goût rond. Donc les crèmes de lait, c'est jamais des arômes forts, hein. Que le lait, c'est assez rond, assez neutre. C'est pas un goût marqué, on va dire. Le beurre qui vient encore apporter une note assez douce aussi. Et donc un petit biscuit qui apportait cette note gourmande. Donc je vous dis, on ressent la vanille légèrement, le petit biscuit, donc le lait, tout ça, voilà, l'ensemble vraiment, il n'y a rien qui ressort plus que le reste. Et donc l'ensemble fait un goût qui forme la recette, hein, du Sexy Rider en fait, et donc plutôt bon, donc un arôme moins marqué que le Hoodrasser. Si vous aimez les arômes très marqués, puissants, là forcément avec de la crème de lait, du beurre et tout ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus rond. Donc si vous aimez les goûts un peu plus marqués, tout ça, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers le premier, le Hoodrasser. En revanche, là, il est rond et super bon. Moi je kiffe les deux, je saurais pas vous dire lequel c'est mon préféré, je n'ai pas encore assez vapé pour ça, mais pareil, ça peut devenir sans problème holdé, pas du tout écœurant, bon, gourmand, juste ce qu'il faut. Ouais, là encore un bon petit liquide, bien équilibré, bien conçu. Franchement, voilà, du bon travail. Pour les deux, je mettrais une bonne note, hein, si je devais les noter. Je sais pas, je dis comme j'ai en plus un peu la crève et tout, mais je mettrais un bon
Peut-être 8 pour le adressien, un bon 8 sur 10 et un bon 7 sur 10 pour le sexy. Voilà, parce que moi j'aime bien les goûts tabac aussi. Donc le dresseur, je trouve qu'il est plutôt intéressant pour son côté tabac, mais pas très marqué, mais qu'on sent quand même. Voilà. L'autre est un petit peu plus neutre, mais les deux sont super bons. Voilà, donc une gamme vraiment intéressante à tester. Hein. Donc testez-les. C'est donc dans des fioles comme 150 ml, les prix sont très abordables. Vous les trouvez pas encore dans beaucoup d'endroits. Ça vient de sortir. Hein. Cette gamme est toute nouvelle. Donc au moment où on m'a contacté, vraiment, ils arrivaient. Donc je crois que vous les trouvez. Je vous mettrai le lien en dessous chez e-liquide shop, e-liquide-shop.com. Mais normalement, ils vont rajouter cette gamme. Pour l'instant, j'ai regardé aujourd'hui, ils l'ont pas encore ajouté. Mais voilà, on m'a confirmé cet après-midi que normalement, ils vous proposeront la gamme complète des Cloud Riders et quelques-uns. Pour l'instant, je crois qu'ils ont trois monoarômes de chez Belarom et un de cette gamme Road Trip, je crois, c'est le Mojito Fraise, il me semble, un truc comme ça. Voilà. On va quand même s'en goûter un du Road Trip. Donc, qu'est-ce qu'on va se goûter? On peut se goûter le Morning Time. Donc, le Morning Time, on a quelque chose qui fait un petit peu penser. Je vais vous montrer la bouteille. Alors, Road Trip, ils sont plutôt dans ce style-là. Pareil, je vais d'abord remplir. Alors celui-là, ce que je vais faire, je vais le mettre dans un atomiseur. Vu que ça, celui-là est sans. Ah, voilà, cette gamme, c'est pas du 20-80. Toujours le même principe, un 50 ml dans des fioles de 60 en zéro que vous pouvez booster. Par contre, on est sur du 50-50. Donc là, ça peut davantage convenir. Pour des tanks et tout ça, donc ce sera moins liquide, moins visqueux. Donc là, je le mets sur le raid de Coilmaster, la tourée de Coilmaster. J'ai fait un double coil, enfin, c'est du Predator Vap, double coil Satan. Hop, on ne voit rien, évidemment. Tu veux ou tu veux pas. Voilà. Double coil Satan. Donc on va déjà imbiber les cotons comme ça. Ensuite, je vais mettre la cloche. Et je vais vous lire la définition. On va se mettre ça sur la petite box Vaporesso. Alors on a un combien? New coil, oui. Alors on a un 0,30 ohms. On descend des watts. On va commencer tranquille à 36 watts. Alors, je vais remplir le tank et je vous lis la description pendant que ça s'imbibe correctement. Alors celui-ci m'a fait penser, vous allez voir, au niveau de la définition, c'est pas tout à fait les mêmes goûts, les mêmes arômes. Dans ce que ça m'a rappelé, dans les petites connues qui m'a rappelé. Alors, déjà un petit indice, la couleur, ça vous met sur la voie, voyez la couleur, hop, vous avez une idée, vous n'avez pas une idée, et bien sûr, le Red Aster. Donc voilà, ça m'a fait penser un peu au Red Aster, bien que ce ne soit pas tout à fait les mêmes arômes, je disais. Bon, on va d'Astier, ils disent pas tout ce qu'il y a, c'est une recette très complexe. Mais voilà, il y a quelques arômes en commun. Et donc, ça m'a rappelé un petit peu ce goût-là. Donc, il y a un tout petit côté mentholé qui a apporté une petite touche fraîcheur. Mais subtil, hein, c'est pas de la menthe glaciale.
Une petite touche fraîcheur très subtile. On va ouvrir les airflow. Mieux. J'en ai foutu partout aussi. Celui-là est beaucoup plus fluide. Alors, comme j'avais beaucoup imbibé. Voilà, il y a cette petite note fraîche. Ouais, clairement, elle me fait clairement penser au Red Aster. Alors, j'oublie la définition. Tac. Donc, Morning Time, on est sur le melon pêche vodka. Cranberry, menthe, anis. Donc la vodka, moi je l'ai pas. Clairement, j'aime pas du tout les jus avec des goûts alcoolisés en général. Et donc là, la vodka, moi je la sens pas particulièrement. Le melon, pas tant que ça non plus. Voilà, bizarrement, j'ai pas trop les saveurs décrites ici. Je sens pas spécialement le melon, pas spécialement l'anis. La menthe, oui. Le cranberries, oui. Et j'ai vraiment la sensation d'un Red Aster un petit peu revisité. Non, ce qui domine clairement, c'est la menthe. Le petit goût cranberry. Ouais, pour moi, la meilleure façon de définir celui-là, c'est un Red Aster. Mais en sûrement plus sain, hein, avec beaucoup moins de merde dedans, parce que Red Aster, quand même, c'est. Je pense qu'il y a pas mal de colorants, etc. Donc là, vous avez une espèce de Red Aster moins écœurant, plutôt sympa. Bon, vous savez que moi, c'est pas ma vape. Hein, le Red Aster, j'ai eu ma période où j'ai bien aimé hein, au départ. Hein. Mais voilà, c'est pas spécialement ma vape. Maintenant, je suis vraiment axé gourmand. Mais voilà, il est plutôt sympa à vaper. Hein. J'en ai déjà vapé pas mal. J'ai reçu il y a un petit moment. Et voir que sur toute la gamme que j'ai reçu des road trips qui sont pas spécialement dans mon type de vape, celui-ci j'en ai quand même vapé un bon tiers. Et après les deux autres, le cupcake flower, donc voilà, il y a du cake qui fait un petit goût un peu gourmand. J'ai presque tombé, hein, j'en ai gardé pour en parler. Et j'ai le rose garden, où il y a de la rose, de l'hibiscus. Et un peu de fleurs d'oranger, tout ça. Super sympa aussi, j'en ai vapé quasiment la moitié. Donc franchement, voilà, il n'y a aucun des jus que j'ai reçus de cette marque que j'ai trouvé mauvais. Et ceci sur le papier, qui n'était vraiment pas des arômes qui m'attirent plus que ça. Donc cette gamme, la Road Trip, m'a agréablement surprise, ils sont plutôt bons. Donc voilà, je vous invite à les goûter, à vous faire votre idée par vous-même, hein, c'est toujours pareil. Donc vous pourrez les trouver essentiellement dans des shops physiques dans le nord pour l'instant, hein, dans leur région. Donc si vous êtes près de Cambrai, tout ça, demandez à votre magasin de les joindre. Donc vous avez un site internet Bel Arôme, je mettrai le lien en dessous. Pour vous, si vous regardez cette revue et que vous êtes des professionnels, vous pouvez les joindre via ce site. Ils ont aussi une page Facebook, donc pareil, Bel Arôme. J'essaierai de mettre le lien aussi sous la description de la revue. Et voilà, on est en train de voir. Je vous en reparlerai dans la deuxième revue quand je ferai celui que j'attends, donc le Crazy Chauffeur, et celui que j'ai déjà reçu, le School Biker. Voilà, quand je vous ferai la deuxième partie de cette revue Bel Arôme, que je vous parlerai de ces deux jus. J'aurai peut-être du nouveau et on va peut-être les trouver sur un des sites qu'on connaît bien, je sais pas, d'AwanVap, donc je vous en dis pas plus parce que c'est pas fait, et dans un des shops aussi qu'on connaît bien aussi. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Je vous en reparle quand ça sera fait. Donc pour l'instant, vous les trouvez sur certains shops physiques, donc dans la région nord,
les professionnels, contactez-les pour vous les fournir, il n'y a aucun souci. Et en ligne, donc pour l'instant, seulement sur e-liquide shop. Et la gamme est en train d'arriver chez eux. Pour l'instant, si vous regardez, dès que j'ai mis cette revue en ligne, ils n'y sont pas encore tous. Il y en a juste 4 pour l'instant. Mais voilà, je dis, ça vient de sortir. Vous les trouverez très bientôt. Voilà. Voilà, donc on arrive bientôt à 500 abonnés. À bientôt, il en reste une quarantaine à faire. Donc, je compte sur vous pour ça. Et donc, on va faire un beau giveaway. Le tirage au sort se fera dès qu'on arrivera à 500 abonnés. Donc, les lots sont plutôt sympas pour une petite chaîne, hein, je trouve. Donc, c'est sponsorisé par BZH qui nous a fait cadeau des porte-à-taux plutôt sympas que j'avais déjà fait cadeau sur le groupe Facebook. Hein. Donc, des porte-à-taux comme celui-là. Donc ça c'est un porte-à-taux Stormtrooper. Alors après, à vous de vous voyez quand on met un Dripper dessus. Alors là c'est un 24 mm, c'est le Skywalker. Hein. Là c'est du 24 mm, mais normalement c'est plutôt fait pour du 22. Donc si vous mettez du 22, est-ce que j'en ai un sous la main? Voilà, Nautilus. Voilà, si vous mettez un 22, donc il y a un trou dedans, hop, là c'est bien flush, c'est fait pour du 22. Donc voilà, là j'ai redessiné en noir les parties. Donc vous, si vous gagnez, vous recevez comme ça, donc c'est imprimé en 3D. Et après à vous, si vous souhaitez de faire comme j'ai fait, moi j'ai fait avec un marqueur indélébile noir. Voilà, je trouve que ça rend bien comme ça. Donc celui-là il sera à gagner, un petit Stormtrooper blanc. Dark Vador. Je vais vous dire tous les prix qu'il y a. Au même principe, 2 mm. Donc ça, c'est offert par BZH, donc qui l'est fait en imprimante 3D. Donc qui fait partie du groupe Facebook Padawan Vap et qui les a offerts pour le groupe gentiment. Et ensuite, ah oui, il y a celui-là aussi qui est super sympa. Le R2D2. Alors toujours en 22. Donc là, c'est pareil. Soit vous mettez un ATO en 22, donc c'est assez profond, donc vous pouvez mettre avec un vabband comme ça, le coincer à la hauteur que vous voulez, hein. Si vous mettez, hop, le vabband plus bas, vous avez compris le principe, hein. Vous mettez le vabband plus bas, vous le faites ressortir davantage, hein, c'est à vous de voir, et ce qui est pas mal aussi, vu que celui-ci est vraiment profond, ouais, ça fait toute la profondeur, donc moi je l'ai en blanc, et ce qui est pas mal, donc pareil, je l'avais en tout blanc, je l'ai repeint en R2D2, j'ai pas encore trouvé le gris, pour faire le gris, les pattes, voilà, ici, et sur la tête, mais j'ai mis, pour l'instant, je trouvais du bleu et du rouge en marqueur indélébile, donc je l'ai décoré, mais ce qui est pas mal, voilà, c'est que vous pouvez aussi en faire un porte-tube méca, si vous avez un tube méca comme l'Overdose, là, en 22, donc pareil, ça rentre dedans, c'est assez stable, donc ça tient très bien, moi je m'en sers de porte-tube. Voilà. Ensuite, il y a de la rayon, des coils Predator Vap. Donc là, c'est Predator Vap qui vous offre les coils. Là, je vais gagner. Pour le premier prix, il y a une bobine de fil en nichrome, pareil, offert par Stéphane de Predator Vap. Donc du coton japonais, de la fibre un rayon Predator Vap, super cool aussi ça pour coiler, un protège ATO offert encore par Predator Vap, donc ça vous mettez sur votre ATO, ça fait Vap Band, ça protège votre tank et en même temps vous pouvez reboucher, ça s'adapte à pas mal de tailles de drip tip, ça vous permet de pas avoir plein de merde qui se mettent dans votre drip tip quand vous transporter. Et donc ça, tout ce que je vous ai montré là, c'est offert par Predator Vap. Et moi, je vous ai rajouté pour le premier prix et le deuxième prix des petits Vap Band comme ça,
Super joli. Hop, ça on verra bien. Stormtrooper. Hop, ça veut, ça veut pas. Voilà, ça veut. Il y a trois petits Stormtroopers. Voilà. Donc ça, va bande classique. Donc je vais vous montrer exactement. Hop. Oui, je suis là, je suis tout petit. Donc pour le premier prix, je vous récapitule. Donc il y a tout ça à gagner. Trois porte-à-taux donc que je vous ai montré de BZH. Donc vous avez juste en dessous de moi là le Stormtrooper. Hop, le R2-D2, le Dark Vador là-bas. La bobine de fil. Donc ça c'est par BZH. Ensuite, offert par Predator Vap, donc du coton de la rayon ici. Ici, là, voilà. De la rayon. Une bobine de nichrome en 24 gauge de bonne qualité. Hein, c'est une qualité équivalente du Vap Extreme ou du Twisted Messies. Deux paires de coils avancées. Donc vous avez un Terminator. Une paire de Terminator et une paire de. C'est lesquels ceux-là? Je sais plus ce que c'est parce que sur ceci, c'est pas marqué. On verra pas super bien. Alors ceux-là, c'est des gros. C'est du gros coil. Hein. Hop. Le protège-ato dont je vous avais parlé. Qu'est-ce que j'oublie? Le petit Vaband Stormtrooper qui est en dessous là, que je vous offre moi. Un peu de coton japonais, donc voilà, tout ça c'est pour le premier lot. Oui, ne me regarde pas comme ça, oui Yoda. Il mérite bien les Padawan, non? Hop, deuxième lot, bim. Et oui, je suis là, je suis en bas. Donc, toujours offert par BZH. Le porte-à-taux, là vous aurez que le Dark Vador au lieu de d'avoir les trois, donc c'est le deuxième prix. Et par Predator Vap, un morceau de la fibre rayon, mais plus petit, vous avez de quoi faire à peu près quatre bons coils, facile. Des petits pattes de coton japonais Predator Vap aussi. Le protège-à-taux le même. Une paire de coils, ceux-là c'est des vertébrés, hein, je me semble. Ouais, une paire de gros vertébrés. Qu'est-ce que j'oublie? Et le petit Vaband Stormtrooper que je vous ai rajouté moi-même. Voilà, ça c'est pour le deuxième prix. Quoi? Oui, t'as bien entendu. Alors, hop, on va revenir sur le premier lot. Alors, comment faire pour gagner ça? C'est tout simple. De 1, être abonné à la chaîne YouTube, évidemment. Faire partie du groupe. Donc, groupe Facebook, Padawan Vap, virgule, le groupe sur Facebook. Faire partie du groupe. Alors, il suffit de faire la demande. Il y a trois petites questions à remplir. À la limite, sur les questions, vous dites que vous venez pour le concours, que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Tac, on vous acceptera sans problème. Hein, c'est juste pour les questions. C'est juste pour filtrer les trolls et les mecs qui sont là que pour faire de la pub. Donc aucun souci, on vous acceptera sans problème. Likez cette vidéo, bien sûr. Mettre un petit commentaire pour que je prenne en compte votre participation. Donc, et dès qu'on arrivera à 500 abonnés, je ferai une vidéo, un tirage au sort. Et donc il y aura un vainqueur pour ce lot qui est autour de moi là. Et un deuxième vainqueur pour le deuxième lot, celui-ci. Voilà. Tac, on va revenir. Hop, on va revenir en gros plan comme ça. Donc, je vous rappelle, être abonné à la chaîne YouTube, être membre du groupe Facebook, liker la vidéo, laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et après. Ça, c'est pas une obligation pour valider votre participation, mais par contre, partagez, 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 parce qu'il manque encore 40 abonnés YouTube pour qu'on arrive à 500. Et dès qu'on arrive à 500, on envoie le tirage au sort. Voilà. Donc, partagez un max le groupe, la vidéo. Et voilà. Donc, voilà, les Padawan, j'espère que ça vous fera plaisir. Un grand merci à Bellarome, la société donc Bellarome, et tout particulièrement Anthony. Pour m'avoir envoyé ces liquides.
On a fait des petits autocollants. La OneVap, ça se met à l'envers. Voilà, ça c'est une petite attention, super sympa, des petits autocollants, pas de la OneVap, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, des bons jus de qualité, made in France. Vous savez que moi, autant que possible, j'essaye de vous présenter plutôt des jus français quand ils sont bons. Et c'est le cas, là, on a des bons jus de qualité et bons au niveau gustatif, quoi. Un merci donc à Stéphane de Predator Vape pour une bonne partie de ses lots. Un merci à Yann, donc BZH, pour l'autre partie des lots, les portatos imprimés en 3D. Et un merci à vous tous, les Padawan, pour la bonne ambiance sur le groupe Facebook, pour tous qui me suivent. Voilà, votre bonne humeur, super sympa, je suis super content de comment tourne le groupe, l'esprit vraiment qui y a à l'intérieur de ce groupe, l'entraide et tout ça, jamais une embrouille, jamais une critique, voilà, j'ai des modérateurs limite ils s'ennuient parce qu'il y a rien à modérer, tout le monde se comporte bien, voilà, je suis super content, donc je vous dis un grand merci à tous pour ça les amis, et puis donc comme d'habitude, que la force soit avec vous et la résistance. Ciao, ciao. N'oublie pas, Padawan, d'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.